いたいかな <music> Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est tout, Comment allez-vous Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Warzone avec les meilleures classes, les classes cheatées, les meilleures classes lors de cette méta de la bêta de Warzone pour que vous réalisiez votre top 1 le plus facilement que possible. Avant d'attaquer le sujet de cette vidéo, deux petites choses. Première des choses, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour deux raisons. Déjà, on va se retrouver pour mon plus gros record de kills sur Warzone qui va être 22 kills. Vous n'allez vous pas tout avoir étant donné que j'ai oublié de rec. Et que voilà, le début, vous n'allez pas l'avoir. J'ai pris avec le cher carré et je ne savais pas. Je sais que c'est honteux. Mais bon, malheureusement, j'étais un peu dans, dans, dans l'obligation de, de rec ainsi. C'était vraiment ma seule possibilité. Et deuxième des choses, c'est pour vous expliquer énormément de choses sur les classes. Parce que oui, je vais vous montrer des screens de classes, Mais il va y il va avoir des modifications, des choses assez importantes à expliquer par rapport au méta PC, au méta PS4. Et c'est super compliqué à devoir tout expliquer euh, via un screen. Et j'ai vraiment expliqué pas mal de choses. Troisième point, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos. Et surtout pour ce putain de gros gameplay, aujourd'hui on est pour un 22 kills. 22 kills les bros, donc je compte sur vous pour défoncer la barre de like. C'est pas tous les jours que vous voyez ce genre de gameplay là, franchement j'en suis assez fier. Et ça montrerait également le soutien par rapport à la chaîne et que la vidéo vous plaît en matière générale. Voilà, tout ça c'est dit. 1000 likes, défonce-moi cette barre de like, montre que tu es présent. Maintenant on va attaquer tout ce qui est. En matière générale, sur les classes de, euh, de Modern Warfare Warzone, expliquer pas mal de choses. Alors, déjà sur la dernière vidéo pour les top 1, etc., oui, les atouts fonctionnent. Oui, les atouts fonctionnent. Euh, en matière générale, il y a des atouts qui sont complètement inutiles par rapport au Warzone, comme, euh, comme chaîne d'élimination, où il y en a un, je crois que c'est technicien, qui permet de réanimer 25%. Euh, 25% fois plus rapide, enfin je m'en en plus, et, enfin bref, ça, ça réanime beaucoup plus rapidement, mais en solo c'est un peu inutile, même si t'as le kit de réa, franchement j'ai essayé, c'est complètement inutile euh, donc. Effectivement, il y a des atouts qui sont complètement inutiles euh, et des atouts qui vont vous servir à pas mal de choses. Je vais vous montrer maintenant un petit screen et on va commencer par les premiers atouts que je mets moi personnellement, que je joue, euh, qui est en l'occurrence sang-froid, fantôme et tracker que vous pouvez changer pour le troisième. Personnellement, j'aime bien mettre tracker pour essayer de choper un peu les campeurs ou les personnes qui essayent de fuir le combat à n'importe quel moment ou éventuellement essayer de brain quelqu'un. Donc, tracker, je le trouve très utile. Fantôme, pour moi, peut être changé avec surarmement, mais je... Je recommande absolument pas ça. Euh, et j'ai expliqué un peu plus tard pourquoi. Et le troisième et le premier évidemment sans froid ou sinon des mineurs ou sinon également l'autre qui permet le tout premier atout. Euh, je crois que c'est pas de course qui permet de courir beaucoup plus vite. C'est vraiment au choix sur le premier. Je préfère sans froid. Et pourquoi sans froid Parce que le multi euh, là-dessus, on va pas se le cacher, est rempli de viseurs thermiques. Alors, je sais que certaines personnes vont dire ah non, il va nous faire des classes avec le truc thermique, etc., etc. Et eh ben, absolument pas. Oui, Je vais expliquer d'ailleurs pourquoi, en fait, sur console, ça ne sert à rien ou quasiment rien de jouer avec le thermique. Effectivement, sur PC, c'est une énorme méta que vous pouvez voir avec les différents streamers, que ce soit Mikalo, Gotaga ou plein d'autres euh, personnes qui jouent avec ça. Euh, éventuellement, sur les snipers, c'est assez utile, mais sur les AR, sur console, c'est la pire méta possible. Parce qu'en fait, le viseur euh, du thermique n'arrête pas de bouger à longue distance. C'est insupportable. J'ai vraiment essayé pendant une ou deux heures et pour ceux qui ont l'habitude de me voir sur ma chaîne, j'ai un shoot pas trop mauvais. Hein. Je vais pas dire euh, j'ai un shoot exceptionnel parce que c'est loin de là, mais j'ai quand même un bon shoot. Hein. Je vais dire, euh, je frappe quand même certaines personnes assez violemment, mais sur le coup, je pas quand même vous mentir en me disant qu'il faut jouer le thermique sur console parce que sur console, c'est absolument pas le cas. Effectivement, sur PC, tu peux gérer le recul avec la souris et tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas le cas sur console. Donc le viseur thermique. Si vous devez le mettre, mettez-le sur un sniper, d'accord Vraiment le vraiment le seul truc important, ça serait sur le sniper. De toute façon, maintenant, je vais vous balancer juste avant que je tape un gros double kill, ma classe à M4 qui est pour moi la meilleure classe et la meilleure AR possible du jeu. D'ailleurs, j'en reparlais un peu du système d'AR, d'SMG SMG et euh, de sniper parce que le fusil à pompe, il ne sert à rien. Euh, la batteuse ne sert strictement à rien, c'est beaucoup trop lourd et c'est beaucoup trop inintéressant pour vous devoir jouer avec. Les pistolets, mis à part le Desert Eagle et si vous avez seulement un bon shoot, ça d'être intéressant, mais en réalité, c'est vraiment si vous avez un bon shoot et que vous ayez un bon niveau. Et tu peux jeter la moitié des airs qui sont complètement inutiles, la moitié des SMG qui sont complètement inutiles. Et il y a à peu près deux snipers et deux fusils tactiques qui sont assez intéressants. Mais de nouveau, les goûts et les couleurs par rapport à tout ça faut savoir que comme j'ai dit c'est une méta assez différente et la première des choses assez important à savoir c'est que euh, c'est une énorme méta sniper en ce moment euh, et les gens qui disent non mais le sniper n'est pas trop abusé etc, si le sniper est quand même un peu trop abusé pas au sens du terme de, euh, de rapidité, de pouvoir quickscope etc parce que là dessus c'est de nouveau une histoire, une histoire d'accessoire. mais c'est une histoire que, en fait on peut te mettre des balles beaucoup trop facilement à partir du moment que tu n'as pas de, de bullet time et euh, surtout, t'as pas du time travel. Donc euh, ça veut dire que tu peux tirer une balle, elle va arriver tout de suite en fait. Et c'est plutôt assez problématique. enfin Il y a un tout petit time travel, un hein, tout petit, mais vraiment tout petit. Si tu compares à Champ's 1 ou euh, je sais pas, à d'autres jeux de Battle Royale euh, comme Fortnite et tout, c'est complètement différent. Il y a vraiment du, du, du bullet time euh, et du bullet drop, surtout du bullet drop. Qui fait totalement la différence, ce qui n'est pas le cas sur ce call of, Il n'y a pas un énorme bullet drop. Et euh, du coup, les snipers sont vraiment trop avantagés pour le moment. Et c'est ce que je vous recommande d'ailleurs de jouer en fait. C'est jouer sniper, AR, ou sinon sniper et SMG. Alors c'est-à-dire quoi AR c'est fusil d'assaut et SMG c'est euh, mitraillette. Donc vraiment jouer à ce niveau-là et surtout en fait c'est ce qui va vous permettre d'avoir clairement l'avantage sur vos adversaires. Alors moi je vais vous recommander quelques AR. Donc la première que je recommanderais c'est la M4. La M4 qui est pour moi la meilleure des AR polyvalentes avec la kilo parce que c'est quasiment la même classe que je vais vous proposer donc je vais juste vous proposer la M4. Ensuite le deuxième style que vous pouvez un peu opter qui est un peu moitié AR, moitié... Euh euh, moitié un peu SMG, qui se comporte comme ça, c'est la RAM7. La RAM7 est vraiment dans ce style-là, donc je vous recommande éventuellement de rejouer un peu à la RAM7 avec une classe que je vous ai proposée, avec un silencieux, c'est effectivement le cas, parce que la RAM. Euh, le problème, c'est que comme je vous ai dit, la RAM n'a pas d'énormes dégâts, tout ce qui est long shot. Elle va être très utile, tout ce qui est corps à corps, tout ce qui est mi-distance, mais long shot, c'est une catastrophe cette arme-là, surtout avec le gilet vous allez mettre des milliers de balles pour en descendre un, tandis qu'au corps à corps, vraiment, ça fait le taf. Avec la portée des dégâts et tout, ça fait le taf. Donc, si vous voulez vraiment jouer à la rame, prenez la rame. Et c'est comme ça. Troisième également, c'est le Famas qui est totalement sous-coté. Alors oui, le Famas, par contre, quand vous allez jouer avec, vous allez devoir être un peu moins agressif. Vous vous doutez bien pourquoi. Euh, c'est une AR euh, qui joue à, à Rafale. Donc, euh, si vous voulez vraiment jouer à euh, Famas plus euh, Sniper... Il va falloir vous dire que malheureusement vous ne pouvez pas rush comme, euh, comme vous avez envie de rush avec euh, une MP7 ou autre chose. D'ailleurs SMG que je vais en reparler un peu plus tard. Donc là-dessus, c'est dit. M4, RAM, FAMAS. Et le dernier truc vraiment très important, ça serait la GRO. La GRO est très très intéressante. Donc RAM, FAMAS. Gros M4, c'est les 4 fusils d'assaut les plus importants vraiment dans ce Battle Royale là. Ces 4 armes vont vraiment faire la différence et, le, et la grosse un peu le style en fait M4 mais un peu plus intéressant pour tout ce qui est long shot. C'est vrai que là-dessus c'est grave intéressant tout ce qui est corps à corps. Un peu moins, je préfère la M4. Après, c'est les goûts et les couleurs. Mais par exemple, Odin, c'est beaucoup trop lourd. Donc, je ne vous recommande absolument pas la Odin. AK-47, c'est exactement la même chose. C'est beaucoup trop lourd. Et si vous devez jouer à la kilo, bah, jouez un peu en style M4, etc. Mais ce n'est pas, vraiment... pas vraiment celle que je vous recommande dans le style. Parce que les styles sont un peu différents entre les quatre armes que je vous ai montrées. Donc voilà, et je vous propose quatre armes un peu différentes dans chaque style. Ensuite, niveau des SMG, je vais en proposer une et en fait ça, ça va être quasiment la même un peu partout. Il y a quatre vraies SMG un peu importantes, et on va dire que les deux sont vraiment au-dessus du reste, et les deux autres sont juste un peu moins bien parce qu'ils sont quasiment dans la même catégorie. Et les deux qui sont vraiment très intéressantes, c'est la MP7, qui est vraiment extraordinaire et qui est géniale, étant donné qu'elle a une très grande cadence de tir, elle a et elle n'a pas beaucoup de recul, donc l'arme ne bouge absolument pas, et ce qui va vraiment vous avantager, et justement qui est le contraire un peu de la P90, de la P90 que j'ai parlé un peu plus tard, et euh, le deuxième qui est vraiment très très important, c'est la bison qui va être mortelle, vraiment mais très très mortelle, c'est un peu le style de la rame au corps à corps, au, vraiment au corps à corps et mi-distance si vous avez un bon shoot. Et de nouveau ça sert la même chose avec la rame, il faut vraiment que vous ayez des bons shoots pour euh, réaliser ce genre de choses. Donc MP7... Et, bison. et les deux autres qui sont un peu moins bien mais que vous pouvez éventuellement jouer avec, c'est la P90 et euh, la MP5. Alors pourquoi la MP5 bizarrement ne fait pas partie euh, des armes surpuissantes Parce que c'est vrai qu'en multi, normalement ça met full de balles, etc. Bah, dans ce Battle Royale là, euh, ça aide pas vraiment tout ce qui est mi-distance, longue distance, malheureusement. C'est une arme aux, auxquelles vous allez mettre énormément de balles et ça en vaut pas la peine. Même si vous mettez le chargeur avec euh, 30 balles, ça ne va pas vous aider. Croyez-moi, j'ai essayé, hein, j'ai fait énormément de tests. Et c'est pas la meilleure des armes. Clairement, prenez une MP7, prenez une bison si vous cherchez énormément le corps à corps, ou si vous cherchez énormément le corps à corps et que c'est beaucoup plus intéressant pour vous, choisissez la P90, la P90 qui est totalement sous-cotée, qui est très intéressant. Et de toute façon, je vais vous montrer juste après un petit screen de la MP7 avec toujours ce même délire de jouer avec un silencieux et tout ce qu'il faut. Parce que c'est ça qui va clairement faire la différence lors de vos fights euh, avec une MP7 qui est très intéressante, qui ne bouge pas, qui, qui fait quand même des dégâts à, 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 court, enfin à moyenne distance. C'est-à-dire à court terme, n'importe quoi. J'ai passé trop de temps à réviser mes, mes, mes cours d'économie. Euh, du coup, euh, oui, effectivement, à, moyen, euh, à moyenne distance, c'est très utile et ça va vous aider. Et on va donc terminer avec le sniper, la méta qui est vraiment trop trop mise en avant. Euh, deux snipers très importants et je pense que c'est les deux meilleurs pour moi. Euh, c'est d'abord euh, la, euh, la X50, excusez-moi, d'abord la X50. Et pour terminer, euh, l'HDR qui sont incroyables. Donc voilà, pour moi, c'est les meilleurs. Et si vous devez constituer vos classes par rapport à tout ça, parce que je vais vous montrer une petite classe AX, mais bon, vous pouvez le modifier parce que c'est vrai que le sniper, pour les personnes qui me connaissent, bah voilà, c'est pas trop mon délire le sniper. Donc peut-être certains ont des meilleurs best-class setup. Et je vous invite à le dire dans l'espace des commentaires euh, au niveau du sniper, s'il y a un ou deux accessoires à changer. Mais par rapport à tout ça, évidemment, il y a également les fusils tactiques. Mais les fusils tactiques, c'est que pour moi le quart qui est très intéressant et il faut savoir viser la tête nouveau les goûts et les couleurs mais la x va faire beaucoup plus mal il va toucher va vraiment toucher tout ce qu'il faut euh, au niveau de l'armure et ça, ça, ça risque de faire énormément de dégâts. Comme je vous ai dit, maintenant vous me dites oui, mais LT, tu nous dis que maintenant c'est une méta AR, SMG avec forcément un sniper de côté. Pourquoi on ne devrait pas jouer avec surarmement et tout ce qu'il faut Alors c'est une excellente question et ça je vais de nouveau y répondre. C'est que le problème c'est qu'il y a trop de trucs pour vous détecter à l'heure actuelle. Malheureusement sur ce BR, il y, a le, il y a la possibilité avec le capteur cardiaque de vous détecter il y a le drone il y a même le drone amélioré que je rappelle avec trois personnes qui balancent trois drones en même temps, ça vous fait un drone amélioré. Et ça, c'est plutôt euh, cool en escouade, mais en solo, on peut pas l'activer, mais en même temps, vous êtes aveugle par rapport à tout ça, donc. De nouveau, c'est les goûts, et les couleurs. Si vous décidez de pas jouer avec fantôme, vous décidez de pas jouer avec fantôme et vous faites comme moi, vous récupérez euh, tout simplement euh, les, les snipers par terre et vous jouez avec votre M4. Ou vous faites la deuxième technique de vous prenez d'abord le sniper et puis vous jouez avec une deuxième, euh, une deuxième euh, arme auquel vous en foutez un peu, et vous récupérez euh, lors d'un autre largage tactique euh, l'arme auquel vous êtes habitué euh, de jouer, comme ça vous récupérez toujours votre sniper. C'est une autre façon d'obtenir tout ce qu'il vous faut. Voilà donc là-dessus ça c'est dit et surtout pourquoi en fait je fais cette, cette méta un peu on va dire ça comme ça euh, et pourquoi je joue énormément par exemple à la M4 parce que la M4 en fait euh, me permet de viser on va dire de même de tuer des personnes assez loin euh, court distance et même on va dire moyenne distance et de pouvoir choper en fait les personnes que je veux. Et à partir du moment où je vois que les personnes sont vraiment trop trop loin pour essayer de les tuer euh, avec mon AR, bah, je, je dégaine le snipe et je fais exactement ça. Donc c'est vraiment le meilleur des trucs parce que non seulement vous allez pouvoir être présent à n'importe quel moment du fight envers vos adversaires, en, en, envers euh, n'importe qui en fait, ça veut dire qu'il y a quelqu'un encore à corps sur ma M4. Il y a quelqu'un de loin qui est en train de nous scope, euh, je sais pas, à 500, 600 mètres. Enfin, je vais pas exagérer, allez, 200 mètres. 200-300 mètres, allez, c'est parti. Je prends le snipe, j'essaye de lui foutre les jetons, etc. Voilà, en fait, le, le meilleur moyen vraiment de faire très mal dans ce BR et, et de pouvoir toucher à tout et à faire un maximum de kills et réaliser vos top 1 dans les meilleures situations, c'est déjà vous dire être polyvalent grâce à vos créations de classe. Et ça, c'est le plus important à l'heure actuelle c'est que un sniper, une AR ou sniper SMG, c'est ultra kiffant. Le pompe, je ne vous le recommande absolument pas parce que si vous faites sniper pompe, ça va pas vous aider, alors vous pouvez éventuellement vous dire, ouais je joue AR et en même temps euh, et en même temps fusil à pompe, effectivement ça risque d'être plutôt assez utile, mais je veux dire la M4 encore à corps elle fait déjà assez de dégâts comme ça donc essayez d'optimiser au maximum au niveau de la pensée en train de vous dire ok, euh, si je peux faire ça, ça veut dire que je peux jouer ainsi, etc, etc puis n'oubliez pas, on est dans un battle royal dans un battle royal, surtout dans Warzone ça n'a pas tendance de énormément rush, donc le fusil à pompe c'est vraiment dans certaines situations exceptionnelles, donc autant jouer en mode AR, SMG et euh, sniper qui vont vraiment vous aider et qui vont vous permettre justement de, de faire du kill beaucoup plus facilement, de vous carrément de vous débloquer des situations. Et le sniper vraiment, à, à des moments, ça peut te débloquer, tu es bloqué, etc. Hop, tu balances une grosse balle dans la tête, il y a le mec qui est à terre. Toi, qu'est-ce que tu fais Tu demandes à ton équipe qui est un peu one-shot, tu dis « Allez, les mecs !» On dégage. Maintenant, c'est le moment de dégager. On peut aller ailleurs, prendre une position, etc. Donc, voilà. C'est vraiment la méta du moment euh, par rapport au jeu. Voilà, les gens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment tout fait pour vous expliquer pourquoi, à l'heure actuelle, ça se passe comme ça pourquoi j'ai choisi telle ou telle classe. Pourquoi ça devrait... Pourquoi je, je vous recommanderais de jouer ainsi. J'espère que le gameplay en fond vous aura plu avec ce bon petit 22 kills. Et auquel j'ai eu un peu de chance à la fin parce que je me suis dit putain il m'a pas vu ce con. Voilà, il passé passé justement. Il m'a pas vu et puis voilà, je débloque donc mon 22ème kill. Voilà les gens, c'était Loctet 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ainsi que le gameplay de fond avec tous les screens, des classes et tout ce qu'il fallait. C'était Loctet 2. Puis je vous dis bye et à la prochaine. Peace out.